Bonjour à tous, ici Larousse96 et bienvenue pour ma nouvelle vidéo de tutoriel Minecraft. Pour commencer, j'aimerais préciser que je joue sur le launcher technique avec le mod pack Tech It. Cette vidéo va traiter de comment construire un coffre online. Alors, qu'est-ce qu'un coffre online? C'est un coffre avec une plus grande capacité de stockage qu'un coffre normal et avec lequel vous aurez accès n'importe où sur la map. Alors les modes utilisés sont les modes Applied Energetics, Extra Cells et Thermal Expansion. Alors ne vous inquiétez pas, aucun mode à installer en plus comme d'habitude. D'habitude, je crée un réacteur, mais comme les réacteurs seront le sujet de ma prochaine vidéo, ici j'ai juste mis des Redstone Energy Cells pour la source d'énergie. Alors, le premier bloc que je vais utiliser dans le mode Applied Energetics, c'est le contrôleur ME. Alors, le contrôleur ME, c'est un peu comme le transformateur. Donc, c'est ce qui permet de donner du courant à la machine. Courant obtenu des Redstone Energy Cells. Deuxième bloc, c'est le câble ME. Tout aussi important, c'est le bloc qui va permettre de relier tous les autres blocs ensemble. Le terminal d'accès ME, comme le nom l'indique, c'est un terminal qui permet de lire tout ce qui se trouve dans votre système. Alors le coffre ME, c'est l'endroit où vous pourrez stocker des cartes de stockage ME. Je vous parlerai de ça plus tard. Alors le lecteur ME, c'est comme pour le coffre ME, sauf que vous avez beaucoup plus d'espace de stockage. Donc à chaque slot ici, vous pouvez mettre une carte de stockage. Le moniteur de stockage ME, ça permet de voir la quantité d'un seul objet bien précis dans le système. Ici, par exemple, les torches, on voit qu'il y a une seule torche dans le système. Le plan transitionnel ME. Alors, c'est un bloc que quand vous placez dans le système, vous lancez quelque chose, je prends ici juste de la roche, vous lancez un bloc dedans. Le bloc est aspiré par le bloc et se retrouve dans le système. Bus d'import basique et bus d'export basique sont deux blocs dont je vais parler un petit peu plus tard. Mais en gros, le bus d'import, il permet d'importer des objets dans le système. Et le bus d'export fait l'inverse. Il exporte des objets du système. Alors maintenant, faut pas confondre. C'est pas le bus d'import, il n'importe pas des objets du système vers l'extérieur. C'est l'inverse. Alors maintenant dans le mode extra cell, le premier bloc c'est le ME fluide terminal. Alors c'est comme le terminal dont je vous avais expliqué avant, sauf pour les fluides. ME fluid storage monitor. Pareil que pour le storage monitor de l'autre côté, sauf de nouveau c'est pour les fluides. Blast Resistant ME Drive, alors c'est un drive comme les drives qu'on avait eu avant pour des cartes de stockage, mais qui résiste aux explosions. Ça peut être très pratique si vous jouez en mode survival. Alors le ME Fluid Transition Plane, alors c'est un bloc qui vous le mettez, vous devez le mettre dans l'autre sens. Là j'ai mis comme ça on pouvait le voir de face. Mais normalement la face bleue se met vers le haut. Vous posez un liquide dessus et le liquide est automatiquement intégré dans le système. Alors dernier mode, Thermal Expansion. Et j'utilise un seul bloc. Il y a plein d'autres blocs, mais moi pour l'instant je n'en utilise qu'un seul. C'est le Aqueous Accumulator. Alors ça permet de... Le bloc normalement vous le placez dans l'eau, donc il est entouré d'eau. Ça aspire l'eau dans le bloc et ça l'éjecte dans le système. Enfin ça le met dans le système en gros. Alors ceci, le Quantum Transplat, ce n'est pas un bloc, c'est une multitude de blocs mis ensemble qui forment une seule entité si vous voulez. Alors à quoi ça sert? C'est un sorte de système sans fil, donc un récepteur et un émetteur sans fil si vous voulez, mais qui passe à travers l'espace-temps.
Alors, je vous expliquerai plus tard comment ça fonctionne, évidemment, comment on le construit, etc., puisque vous ne pouvez pas le trouver dans l'inventaire. Mais en simple, regardez. J'ai ici dans mon système, donc par le terminal d'accès, je peux voir ce qui se trouve dans mon système, et j'ai tout ceci dans mon système. Imprégner un petit peu ce qu'il y a dans mon système. Ok. Donc, le système, il est relié à mon émetteur sans fil. Pour bien vous prouver qu'il n'y a aucun câble entre mon émetteur sans fil, mon récepteur sans fil et mon émetteur sans fil, bien sûr, ça peut aller dans les deux sens, hein. Il n'y a pas de sens. Ils sont tous les deux émetteurs et récepteurs. Donc, pour vous montrer qu'il n'y a pas de fil, je l'ai fait en hauteur. Pour pas de câble, je l'ai fait en hauteur. Voilà, donc j'ai aussi mon terminal ici en haut. Je clique sur mon terminal et oh, j'ai exactement ce qui se trouve dans mon système d'en bas. C'est bien pour vous prouver que c'est un émetteur et un récepteur sans fil. Et il n'y a aucun problème de distance avec cela. Alors, maintenant, je vais vous aider, je vais vous montrer comment construire l'émetteur-récepteur sans fil. Où il vous faut. Donc, tous ces blocs-ci se trouvent dans le mode Applied Energetics. Il vous faut un Quantum Field Ring, un Quantum Link Chamber, Quantum Entangled Singularity. Ça, c'est ce qui vous. En fait, ça ici, vous ne trouvez pas non plus dans le. Dans l'inventaire. Je sais, c'est un peu compliqué. Vous devez le crafter d'office, même si en survival ou en créatif, vous devez le crafter. Donc, comment ça fait? Comment vous le faites? Il vous faut une singularité, une Ender Pearl Dust, donc de la poudre d'Ender, un petit TNT, vous pouvez prendre un TNT normal, hein, mais le mini TNT fait moins de dégâts, et un briquet. Alors, vous prenez tout ça, vous posez votre mini TNT, vous jetez la poudre d'Ender dedans, vous jetez votre singularité dedans, vous allumez le tout. Explosion, hop, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez des Quantum Entangled Singularity, donc comme je vous avais montré là-bas. Alors, bien faire attention, ils viennent toujours, toujours, toujours par deux. Vous ne pouvez pas. Enfin, ils viennent par deux car vous avez un émetteur et un récepteur. Si vous séparez les deux et que vous en mettez un dans un récepteur, un dans un autre récepteur, mais dans un système différent, les deux systèmes ne vont pas être connectés. Je veux dire, les paires doivent toujours être ensemble. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, nous allons en construire un pour vous montrer comment il se construit. Alors, il nous faut singularité. Là, j'en ai qu'une parce que j'ai déjà mis l'autre quelque part d'autre. Quantum Link Chamber. Et mon Quantum Field Ring. Hop. 2, 3. Vous êtes un carré creux de 3 sur 3. Vous mettez votre Quantum Link Chamber au milieu. Voilà. Vous voyez l'entité qui se forme directement. Comme vous avez vu en dessous ici, ça. Non, voilà. Il vous faut un apport énergétique. Vous voyez, il est devenu bleu clair. C'est allumé. Il est connecté au système. Et voilà. Vous placez, vous cliquez droit sur le Quantum Link Chamber. Vous mettez votre Entangled Singularity au milieu. Et vous voyez un petit graphisme au milieu. Voilà pour l'émetteur. Ah oui, pardon. Alors, maintenant, je vais vous expliquer quelques blocs aussi que je ne vous avais pas expliqué avant, assez importants pour la suite. Alors, il y a le ME Import, Fluid Import Boss. Alors, pardon, toutes ces cartes, tous ces objets, ils viennent dans le mode Extra Cells. Alors, il vous faut le ME Fluid Import Boss, le ME Fluid Export Boss, c'est comme les Import et Export Boss que je vous avais expliqué avant, sauf que ceux-ci sont pour les fluides de nouveau. Donc, je vous donnerai un exemple après comment il fonctionne. Alors, le MI card,
C'est les cartes mémoire dont je vous ai expliqué. Moi, j'utilise tout le temps celle-ci, la 16 mégas, c'est la plus élevée que vous trouverez dans le jeu. Et puis, il y a aussi la ME Fluid Card, évidemment, même chose que pour la carte ici, mais pour les fluides de nouveau. Donc, vous avez toujours, tout ce qui est objet et fluide sera toujours séparé. Vous n'aurez jamais une carte hybride qui fait les deux. Et donc, pour la Fluid Card, j'ai la 64K, c'est la plus grande du jeu de nouveau, et j'utilise que celle-là puisque je joue que en créative. Alors, il existe aussi plein d'autres cartes. En voici un exemple. Ici, vous avez toutes les autres cartes qui existent. Vous en avez d'autres cartes aussi. Vous pouvez crafter vous-même, etc. Mais ça, j'utilise pas. Ça, ici, c'est toutes les cartes qui existent déjà. Donc, vous avez 1K, 4K, 16K, 64K, 256K, 1 méga, 4 mégas, 16 mégas. Et puis en fluide, vous avez 1K, 4K, 16K et 64K. Alors vous voyez qu'il y a différents graphismes de cartes. Alors toutes ces cartes-ci, les rectangulaires, qui ressemblent plus à des cartes d'ailleurs, eh ben elles viennent dans le mode Extra Cells. Et toutes celles-ci, qui ressemblent moins à des cartes, elles viennent avec le mode Applied Energetics. Donc en gros, c'est les cartes qui viennent normalement avec le mode Applied Voilà, alors maintenant je vais construire un système de base pour vous montrer un peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le contrôleur AME, les câbles, le terminal, le coffre, le lecteur, le deuxième lecteur, et je vais prendre quelques cartes. Alors, ma source d'alimentation est ici. Je mets mon contrôleur AME. Je mets mon terminal juste à côté. Hop, voilà. Mais vous voyez bien, il faut que ça ne fonctionne pas. Impossible de communiquer avec le contrôleur. Alors, je mets le câble, hop, voilà, il communique. Jamais oublier de mettre le câble, sinon rien ne fonctionnera évidemment. Donc là, vous voyez que dans mon terminal, dans mon système, je n'ai encore rien. J'essaie de mettre quelque chose, il voudra pas. Pourquoi? C'est parce que je n'ai pas encore mis de carte mémoire. Je n'ai pas encore relié de carte mémoire au système. Alors je mets mon coffre ME. Hop, je mets mon câble couvert. Je vais directement mettre le lecteur ME. Dans le coffre ME, je vais mettre une carte. Voilà. Donc vous voyez là, c'est vert. Donc de nouveau, on peut de nouveau revenir ici. Et mettre quelque chose dans le système et hop, ça fonctionne. Voyez ici, il apparaît là. Alors la différence entre ces deux blocs-là, c'est que celle-ci, on ne peut pas lire, voyez, on ne peut que mettre des cartes, on ne peut pas lire ce qu'il y a à l'intérieur des cartes, dans une carte spécifique, je veux dire. Et ici, vous pouvez lire ce qu'il y a dans une carte spécifique. Donc vous pouvez enlever la carte, je la mets là, vous la remplacez par une autre. Hop, elle est vide. J'enlève cette carte-là, je remets celle-là, voilà, le bloc réapparaît. Donc dans le terminal, vous voyez ce qu'il y a dans le système entier, donc toutes les cartes mises ensemble. Alors que dans le coffre, vous pouvez voir carte par carte ce qu'il y a dans la carte. Vous pouvez très bien mettre la carte fluide, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mon lecteur ME, je vais mettre, pour vous montrer, voilà, deux cartes en plus. Donc vous voyez le petit design qui vient pour dire que l'espace est occupé. Donc il y a encore 8 slots de libre. Donc le blast resistance, c'est pareil, hein. De nouveau comme le lecteur, mais donc vous pouvez mettre que 3 slots de cartes, mais vous ne pouvez pas lire ce qui se trouve sur les cartes. Alors, la suite. Je vais vous reconstruire aussi un autre petit truc ici pour vous montrer. Alors, suite du réseau. Vous n'êtes pas obligé de mettre un câble, vous voyez, comme moi j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre un câble entre chaque bloc 1. Vous voyez, vous supprimez, je mets un câble et je mets un autre bloc. Ça fonctionne comme un câble.
Alors, le moniteur de stockage, comme vous avez déjà expliqué, ça permet de dire ce qu'il y a dans le système. Donc, rappelez-vous, dans le système, j'avais mis un bloc de bois ici, planche de chêne. J'en reprendrai un. Je vais le mettre là. Hop, il me dit qu'il y en a un seul. Bah oui, puisqu'on en a mis un seul dans le système. Alors, le plan transitionnel. Alors, vous pouvez le mettre dans différents sens. Moi, bien souvent, je le mets dans le sol. Ça fait plus. C'est plus sympa à lancer les trucs dessus. Faut juste pas oublier, évidemment, de le connecter. Alors, on va faire ça. Pas besoin de descendre. Hop, donc voilà, on est connecté. Alors là, évidemment, vous pouvez pas rentrer dans le système, hein. Logique. Sinon, c'est un peu triste. Donc, nous avons toujours des planches de chêne là. On va lancer un bloc de planches de chêne pour voir ce qui se passe. Je le lâche dedans. Hop, vous voyez, il est dans le système. Il y en a deux maintenant dans le système. Alors, je vais vous reconstruire maintenant le Quantum Field Ring. Juste pour vous montrer en direct qu'ils sont tous les deux liés. Celui que j'ai construit tout à l'heure et celui que j'ai construit ici. Alors, il est déjà relié, voilà, pardon, à l'énergie. Maintenant, je le relie au système. Voilà, il est relié. Je mets mon Quantum Entangle Singularity dedans. Vous voyez le petit dessin qui arrive. Ah oui, autre chose aussi. Le système ici, il me dit. Pardon, c'est ici. Ah oui, évidemment. Comme je l'ai relié les deux, celui-là, il a déjà un contrôleur, puisque celui-là, Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Là, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai relié celui-là à mon système que vous voyez là-bas. Mais évidemment, ce système-là, il a déjà un envoi et un récepteur de signal. Donc si j'en mets un troisième et un quatrième, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, celui-ci il est débranché. Je vais vous brancher le moniteur de stockage. Comme ça, vous pouvez voir qu'ils sont bel et bien tous les deux reliés maintenant. Voilà, je prends mes planches de chêne. Normalement, qu'est-ce qui devrait apparaître? Il devrait apparaître deux. Voilà. Ça prouve bien que ce système-là et celui-là sont reliés. J'en rajoute une troisième, juste pour prouver. Hop, ça fait trois maintenant ici. Je vais voir là-bas. Ça fait trois, voilà. Alors, pour les fluides. Fluide terminal, je vais vous le mettre là. Voilà. Donc évidemment, vous voyez, il n'y a rien. Est-ce qu'on a déjà mis une carte de fluide? Oui, on en a mis une, donc on peut. Le système est prêt à recevoir des fluides. À recevoir des fluides, pardon. Donc, moyen le plus simple de mettre des fluides dedans dans le système, c'est de mettre un fluid transition plane. Alors, je vais prendre de l'eau. Je mets un seau d'eau dessus. Il est dans le système. C'est pas très facile parce qu'évidemment, il y a la plupart de la flotte qui va autour. Mais pour prouver qu'il est bel et bien dedans, je vais vous mettre le Fluid Storage Monitor à côté. Oups, attendez. J'ai un petit souci. Voilà. Donc je mets le. Voilà. J'ai 500 millibuckets. J'en mets un de plus. Hop, j'en ai 600. Hop, 700. J'en ai mis un trop vite. Enfin voilà, ça prouve bien que ça met l'eau dans le système. Donc voilà, ça c'est pour tous les blocs. Donc ici nous avons un système de base. Alors deux blocs en plus, je vous avais dit que je vous expliquerais, c'est le bus d'import et le bus d'export basique.
Alors pour ça, je nous ai construit un petit réacteur ici. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai construit, je vous ai déjà dit que ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Alors, comme je vous ai déjà dit également, le bus d'import, il importe des objets dans le système et pas l'inverse. Donc comme il importe dans le système, je vais le mettre à l'endroit où mon réacteur éjecte les déchets. Le bus d'export à l'endroit où il prend le comburant. Alors, il vous faut une clé à molette pour le mettre en face des trous. Vous y voilà. Du câble. Évidemment, pour relier le système. Celui-là, on peut les supprimer. Voilà, celui-là est relié et celui-là est relié. Alors maintenant, pour... Vous voyez ici, vous avez un petit trou. Parce qu'il veut savoir lequel il doit... Quel... Item, il doit éjecter, il doit importer, pardon, dans. Oui, il doit éjecter du système, donc il doit importer ici dans le réacteur. Alors, ici, le réacteur, il lui faut du Yellorium. Voilà. Donc, vous pouvez le voir ici. Hop, c'est du Yellorium qu'il y a dedans. Donc, je vais mettre le bloc de Yellorium. Donc vous voyez qu'ici, il n'y en a que un, en fait. Déjà, qui attend, qui est dans la file d'attente pour être utilisé par le réacteur. Dans le système, j'en ai 0. Alors je vais en mettre un petit peu. Hop, voilà, j'en prends 64. Voilà, j'en mets 64 dans le système. Maintenant, j'en ai combien? Vous voyez, ça diminue. Diminue, ça diminue. Pourquoi ça diminue? Car il prend le Yellorium dans le système et il l'injecte par le bus d'export dans le réacteur. Vous voyez ici, le chiffre augmente jusqu'à arriver à 64. Il ne peut pas aller plus loin. Donc le chiffre se stabilise là-dedans. Il se stabilise ici. Vous voyez, vous n'avez plus qu'un. Alors, le bus d'import, pareil, il va prendre les déchets. Bon, ici, on n'en a pas. Mais normalement, c'est du cyanide. Ouais, non, il nous en faut pas autant, il nous faut juste un, du coup. Donc, vous prenez de nouveau le bus d'import. Oui, c'est ça, pardon. Le bus d'import, il va importer ce qu'il y a dans le bloc devant. Vous n'avez pas besoin de préciser ce qu'il doit importer, il va importer tout ce qui se trouve. Donc voilà, ça c'est pour la fonction des blocs. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne le ACOS Accumulator. Alors voici un petit peu comment je les ai mis. Ici, évidemment, vous ne voyez pas que ça augmente. Mais vous pouvez le voir ici. Non, vous ne pouvez pas le voir là non plus. Ce système-ci, il est relié au système ici, hein. Ok. Je vais voir dans mes cartes. Ici, il y a une carte aquatique d'eau. Vous voyez, ça augmente très très vite. Car il est en train de pomper toute l'eau, en fait, de la petite mare qui est ici. Alors, j'ai déjà. Ça ne fonctionne que pour l'eau. C'est à cause d'accumulateur, vous pouvez me croire. J'ai essayé, comme vous pouvez le voir, pour tous les liquides. Vous inquiétez pas du feu, c'est un des liquides inflammables. J'ai essayé pour tous les liquides, ça ne fonctionne que pour l'eau. Donc maintenant, je vais vous le faire. Juste pour vous montrer. Vous prenez votre ACOS accumulateur, c'est très simple.
Vous prenez du câble. Ah, je n'ai pas de câble, je prends du câble. Je prends un câble bleu. J'avais du câble ici, pardon. Votre Flicken Food Omni Wrench, je l'ai déjà. Et le ME Fluid Import Bus. J'ai pas besoin du Export Bus, je vais pas l'utiliser pour ce cas-ci. Vous mettez votre Acoustic Accumulator au milieu. Alors lui, vous pouvez un peu modifier, hein. Vous voyez, vous pouvez enlever. Donc tout ce que. Tous les petits carrés ici, c'est les endroits où vous pouvez mettre les bus d'import ou d'export. Dans ce cas-ci, d'import. Donc ici, par exemple, je vais que utiliser celui du haut. Donc je vais laisser que celui du haut. Vous pouvez tous les laisser, il n'y a aucun problème avec ça. Donc vous pouvez voir maintenant, les autres ont disparu. Vous prenez votre câble. Voilà. Et vous mettez votre fluide boss. Ah, j'avais pas besoin de ma clé à molette finalement, mais vous voyez avec la molette, vous pouvez le faire jouer. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, je clique dessus. Vous voyez ici, ça augmente, ça diminue. Là, ça veut dire quand ça augmente, ça veut dire qu'il a pris l'eau dans l'appareil. Et quand ça diminue, c'est-à-dire qu'il éjecte l'eau par le bus d'import. Donc c'est très pratique pour si vous avez besoin de très grandes quantités d'eau d'un côté et que vous voulez, par exemple, l'utiliser comme refroidissement pour un réacteur, par exemple, et ben vous pouvez tout prendre dans le système à partir de l'eau, à partir même d'une petite flaque comme ça. L'envoyer sans fil, avec les bandes sans fil comme je vous avais expliqué, de l'autre côté de la map, là où vous n'avez pas d'eau, par exemple en plein désert, et à partir de là, vous pouvez faire votre réacteur. Alors voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton vert et de laisser un commentaire. Merci à tous et à bientôt!